Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Messieurs les présidents des ligues et des clubs, à chacun et à tous, Messieurs les présidents des ligues et des clubs, je souhaite la bienvenue à ces assises, la télé nationale de la plateforme en ligne des licences des clubs, CLOP en sigle. Je remercie de tout cœur le président de la CAF, M. Mochepi, son secrétaire général, M. Sidat et M. Raoul, tous de notre instance fêtière du football africain, qui ne cesse, chacun à ce qui le concerne, de multiplier les efforts et les réflexions pour trouver un meilleur créneau pour le développement du football de notre continent et particulièrement dans notre pays. L'existence même du Conor en témoigne, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Et je ne peux aller loin sans souhaiter la bienvenue aux instructeurs de la CAF. J'ai cité M. Magaï et M. Senk, qui peuvent se lever s'il vous plaît, qu'on les salue. L'un est du Sénégal, l'autre est de la Mauritanie, deux pays qui sont déjà passés par cette formation, cet atelier sur les licences. Les résultats peuvent se voir sur le terrain du football, la place qu'occupent le Sénégal et la Mauritanie dans la sphère du football continental. Qu'ils trouvent ici dans nos experts l'expression de notre gratitude et nous leur souhaitons un agréable séjour au pays des léopards, malgré qu'ils sont en pleine période de Ramadan. À vous, chers dirigeants des entités subdélégataires de la FECOFA et dirigeants des clubs, prenant part à ces assises au nom du comité de normalisation de la FECOFA, je vous invite à réserver une attention particulière à ce qui sortira de ces lieux et d'en tirer les meilleurs de vous-même. Le système d'octroi des licences au club se veut non pas une panacée, mais un modèle, mieux, une voie ouverte vers le développement de nos clubs et finalement de notre football. Les nations qui nous tiennent en haleine sur ce plan, sont passées par là et nous devons suivre cet exemple. J'ai parlé tout à l'heure du Sénégal et de la Mauritanie. Pendant les deux jours qui suivent avec ces experts, il vous sera présenté le cadre réglementaire des licences des clubs de la CAF masculine et féminine. Et vous aurez l'avantage de vous abreuver à la meilleure source, car les utilisateurs de vos clubs seront formés et des explications sur les critères obligatoires pour les compétitions nationales et continentales seront fournies. Ce qui nous évitera des malentendus tels que nous avions connus l'année dernière. La FECOFA compte donc sur votre assiduité et sur votre attention car ce moment est unique, historique et déterminant qui risque de ne pas se répéter d'ici quelques années. C'est donc le moment pour que chacun de vous en tire le meilleur profit pour son club et pour son entité. N'hésitons pas que qui veut aller loin ménage sa monture. C'est donc le moment d'apprendre, de poser toutes les questions, sans limite, d'explorer les méandres de la licence des clubs, qui désormais sera condition essentielle pour participer aux compétitions tant nationales que continentales. À l'issue de cet atelier, la FECOFA n'acceptera pas d'excuses, car vous le savez, la normalisation, c'est l'application sans faille de la norme, des textes réglementaires, et nous tenons à nous y conformer. Les textes sont donc à votre disposition et veuillez bien les exploiter et en faire bon usage. L'occasion nous est donnée à tous de franchir un palier en mettant en place un système d'enregistrement des joueurs, des clubs, des entraîneurs, conjurant certains mots qui détruisent et minent à l'intérieur de notre football, comme vous le savez et comme le secrétaire général l'a bien répété tout à l'heure. Qui d'entre nous peut
peut ne pas être fier que le football se pratique sans certains mots, sans faille, dont le présent atelier se fixe comme objectif d'entité. Je voudrais clore mon propos, chers participants, en vous invitant, dans la mesure du possible, à vous efforcer à faire une restitution exacte, même sommaire, de ce que vous aurez appris au cours de cet atelier. Mutualisez les efforts pour faire bon usage et large écho de vos nouvelles connaissances à travers les ligues, les ententes, les cercles et les clubs qui n'ont pas eu la chance d'être en cellule. Tout en vous souhaitant une meilleure application au cours de ces assises, je déclare ouvert l'Athénée nationale des plateformes en ligne, des ligues, des clubs, clubs en ligne qu'organise la FECOFA, et je vous en remercie.